Hello Isama, alors que le rythme se ralentit de plus en plus sur New World, malgré nous, les irréductibles joueurs qui sont toujours là, et que beaucoup attendent l'événement de décembre pour pouvoir statuer de l'avenir du jeu, vous êtes pris pour qui? Le dieu du MMO? Perso, moi, je suis encore en mode chillax sur le jeu, tranquillement, hein, sur les lives. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les lives tous les mardis, matin, midi, mercredi et vendredi soir, enfin, fin d'après-midi soir, pour pouvoir chillax avec moi sur les jeux, sur New World et sur d'autres jeux. Voilà, pour ceux qui sont en live, vous savez déjà ce qui arrive sur la chaîne au début d'année prochaine, donc voilà. Donc je suis quand même tranquille sur ce jeu, c'est un jeu que j'aime quand même beaucoup, hein, l'ambiance, tout ça. Je suis tranquille, j'aime bien farmer dessus. Donc voilà, néanmoins, je me suis dit que j'allais me tourner un peu vers l'avenir, le futur, car nous y croyons en ce jeu, nous croyons en sa rédemption, nous croyons à sa No Man's Sky-ification. Oui, non, ils sont pas encore au niveau de No Man's Sky, faut pas déconner non plus, mais bon, hein, voilà. Donc du coup, je me suis dit, et si on s'intéressait un peu au potentiel nouveau contenu qui l'allait avoir? On savait déjà qu'il allait avoir plusieurs ajouts, notamment le gantelet du néant, qui avait été dataminé et qui est aujourd'hui dans le jeu. Et donc du coup, on avait vu sur plusieurs streams et plusieurs datamining qu'il allait avoir d'autres éléments, comme le club, soit la masse, hein, masse à deux mains et masse à une main, certainement la masse à une main, pour pouvoir faire un doublon avec l'épée bouclier, voilà. On sait qu'il y aura les dagues, et on sait qu'il y aura aussi le tromblon. Bon, ça, on sait tout ça, ça c'est très bien. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les armes magiques. Et oui, parce que vous le savez, moi, l'alchimie, c'est un métier qui me plaît beaucoup. Et donc, du coup, je me suis plutôt intéressé aux armes magiques, et vous allez voir, j'ai trouvé la recette secrète pour la potion des armes sur New World. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankiel le capitaine et si tu es ici, c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycélien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout le multivers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet? Tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? Ce qu'il faut savoir, c'est que les armes magiques sont basées sur les éléments alchimiques, hein, les grains, les volutes, etc., qui sont donc le feu, l'eau, la vie, mort, la terre, le vent et l'âme. De plus, on a remarqué depuis la sortie du gantelet qu'il y avait une espèce d'opposition dans la typologie des armes, bâton contre gantelet. Donc, avec cette opposition arme et cette opposition élément, on peut, en remuant le tout, savoir quelles seront les prochaines armes magiques sur New World. En effet, on peut voir qu'il y a le feu contre l'eau, la terre contre le vent, la vie contre la mort et l'âme au milieu. Voilà, c'est assez simple, c'est basique, hein, ce sont des théories alchimiques assez classiques, hein, depuis Platon, voilà. Donc du coup, ça, c'est posé. Bien, maintenant, si on mélange la dualité entre les éléments et la dualité entre les typologies d'armes, on peut déjà prédire quelles seront les armes futures dans New World. Le feu avec son bâton, le gantelet glace avec l'eau, la vie avec son bâton de vie, la mort avec son gantelet du néant, et donc, suivant ce raisonnement, bâton de terre, oui, et gantelet du vent. Si on mélange tout ça avec le lore du jeu, ce serait plutôt gantelet céleste et bâton de la terre enragée. Oui, je vous annonce en exclusivité mondiale, hein, en France, les deux armes magiques, le gantelet céleste et le bâton de la terre enragée. C'est absolument logique. Alors moi j'aurais préféré l'inverse, hein, le gantelet de terre enragée et le bâton céleste, sauf qu'en fait j'ai digué, cherché pour être sûr de mes propos et effectivement il y a eu un data mining qui a été fait et en croisant un petit peu toutes les sources, c'est ce qu'il en est ressorti. Nous allons avoir un gantelet céleste qui sera basé sur la restauration et donc du coup le vent, hein, et aura certainement des dégâts de foudre. Oui, parce que si on regarde aussi le tableau des résistances et affaiblissements, on voit qu'il y a le feu, la glace, la nature, le vide, l'électricité
et l'arcanique. Donc du coup, l'électricité est l'élément qui colle le plus au vent, et d'ailleurs quand on récolte les bulbes tonnerres ainsi que les minerais pour récolter des éléments de vent, ils sont électriques. Donc du coup, effectivement, le gantelet céleste fera des dégâts électriques et sera basé sur la restauration. Alors après, voir ce que restauration veut dire, mais je pense qu'il sera dans le même groupement que le bâton de vie et le gantelet du néant, hein, donc un peu une espèce de support. Alors peut-être qu'on aura de la régène mana aussi. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera un gantelet céleste basé sur la restauration et les dégâts de foudre. Ensuite, pour le bâton de la terre enragée, on peut s'attendre, comme son confrère le gantelet du néant, à une espèce de double spécialité, mais qui serait plus basée sur le dégât et le CC par exemple, hein, notamment sur la première branche, qui pourrait faire des dégâts de nature et des CC. On peut par exemple s'inspirer des dryades qui font du contrôle de foule en éloignant, en faisant une espèce de push vers l'arrière, et qui peuvent par exemple étourdir, etc. Ce qui serait très très bien et qui serait un très bon complément à ce fameux gantelet céleste, et qui dans l'artillerie des armes magiques serait extrêmement bien placé. Et du coup, un deuxième arbre qui lui serait peut-être plus basé sur du dégât et du debuff, notamment en s'inspirant encore une fois des dryades et de la branche maladie de la hachette, pour pouvoir par exemple faire des zones de debuff, des zones de maladie, un peu comme ce que ferait le pétrissement chez la terre enragée. Cette dualité entre dégâts, CC, debuff pourrait donner une arme très versatile qui pourrait s'allier, s'arranger, se mettre avec n'importe quelle autre arme et pouvoir faire des builds très 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 intéressants. Pour ce qui est du data mining du bâton de la terre enragée et du gantelet céleste, je vous mets les liens directement en description pour aller vérifier tout ça. Bref, préparez-vous à bouger les cailloux comme Toph, ou plutôt à faire bouger les végétaux comme la tribu des marées, ou à vous envoler comme Aang grâce à ces deux armes magiques qui seront certainement là d'ici courant 2022. Et enfin, pour finir, il y a un élément dont on n'a pas parlé, et c'est l'élément de l'âme. L'élément de l'âme est assez central, hein, il n'y a pas vraiment d'opposant. A mon avis, ils vont soit faire une typologie d'armes différente pour elle, donc ni un gantelet ni un bâton, mais plutôt un autre type d'arme, ce qui pourrait être très intéressant. On pourrait penser par exemple à un épée bouclier ou quelque chose comme ça, qui pourrait vraiment être trop trop cool, ou alors ils devront utiliser un élément qui lui soit complémentaire. Néanmoins, je n'ai trouvé aucun élément alchimique qui pourrait vraiment être un complément de l'âme. Il y a bien sûr l'éther et l'azote, mais ça me paraît beaucoup trop simple. Donc vous, dites-moi en commentaire si vous avez une théorie sur ce qui pourrait être cet autre élément qui serait complémentaire à l'âme. Néanmoins, même si c'est un nouvel élément qui sera face à lui, et donc du coup qui serait un gantelet ou un bâton, ou alors que l'âme sera une arme particulière qui lui soit propre, je pense que ces dégâts seront des dégâts de type arcanique. Si on reprend encore notre petit tableau des faiblesses et des avantages élémentaires, il ne reste que l'arcanique, les dégâts arcaniques. Or, les dégâts arcaniques ne sont toujours pas présents. Hein. Les dégâts arcaniques, je rappelle, c'est le saphir, c'est justement les dégâts qui ont comme petite icône un pentacle. Voilà, un pentacle. Donc du coup, je pense que c'est ce qui correspond le mieux à l'âme, hein, donc du coup, pour faire des dégâts. Si on a un élément qui lui correspond, je pense que cet élément aussi fera des dégâts arcaniques. Je vois pas pourquoi il ferait d'autres dégâts. Je les vois mal rajouter encore un élément. Mais voilà, ça me paraît très étrange. Je pense plutôt... bon, il pourrait avoir l'élément énergie aussi, mais bon, bref. En tout cas, moi, je pense plutôt qu'ils vont partir sur une nouvelle arme, une typologie d'armes différente que les gantelets ou les bâtons. Et ça, ça risque d'être très, 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 très intéressant. Bref, en tout cas, cette petite vidéo était pour nous projeter un petit peu dans le futur et nous préparer déjà à ces nouvelles armes, parce que franchement, le gantelet du néant a été une très 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 bonne surprise. Je pense que les autres armes magiques seront très très surprenantes, que ce soit le gantelet céleste, le bâton de la terre enragée, voire le je ne sais pas quoi d'âme. Ça va être très 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 intéressant. J'espère qu'ils le mettront. Qui mettront pas trop de temps non plus à les sortir. Hein. Les sortir dans plus d'un an me paraîtrait quand même extrêmement compliqué, surtout vu l'état du jeu en ce moment. Néanmoins, dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie. Mettez-moi aussi en commentaire vos petites théories sur les armes magiques, voire les autres armes. Ça m'intéresse. Si vous voulez encore plus de théories sur New World, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous laisse avec les vidéos juste là pour poursuivre votre aventure sur le Yasuke. Et vous le savez déjà, les Sama. À plus tard.